Bonjour à tous. Donc, samedi, parce que là on est mercredi, samedi, je vais vous présenter comment peindre des sphères à l'aquarelle sur papier sec, sur papier humide. Donc ici, sur une feuille du carnet acheté chez Action, qui sert très bien pour faire des exercices. Donc, la vidéo arrive samedi. En attendant, je vais quand même vous expliquer les couleurs. Les couleurs désaturées à l'aquarelle, en tout cas celles que je vais utiliser pour peindre ces sphères. Alors je vais me décaler un petit peu pour que vous puissiez voir. Ici on va donner comme ça pour vous mettre un petit peu l'exemple des couleurs utilisées. Vous allez voir que lors de cette vidéo, je vais utiliser donc des couleurs que j'ai pas l'habitude d'utiliser très souvent. Et donc pour faire mes exercices, eh ben, je vais les passer. C'est cette couleur orange, orange de pyrrole. Donc si on utilise la couleur pure de ce orange de pyrrole, c'est celui-ci. C'est la marque KOR que j'affectionne pas tout particulièrement parce qu'elle est très dispersible du fait de son liant. On va utiliser aussi le bleu outre-mer. Pourquoi on utilise le bleu outre-mer? Parce que le bleu est la couleur complémentaire du orange. J'espère que vous connaissez les couleurs complémentaires et les couleurs de base. Sinon, mettez-moi un petit message et je tâcherai de vous faire une vidéo pour vous l'expliquer. C'est la théorie des couleurs. Ici, j'ai décidé d'utiliser le orange en grande partie sur ma toile, donc c'est ma couleur de base. On va, dans ce orange, eh ben, ajouter un petit peu de bleu et on va, ce qu'on appelle, désaturer le orange. Et donc ici, mon orange est un orange désaturé. Là, c'est très léger, c'est très subtil, la différence. D'accord? Hop, on regarde comme ça. Voilà. Et mon bleu, je vais utiliser un bleu désaturé. Je viens ici. Hop, je peux l'utiliser comme ça, pas trop désaturé. Et je peux l'utiliser beaucoup plus désaturé. Voilà, et ça devient un brun. Donc voilà la différence des couleurs pures ici avec la couleur de base et la couleur complémentaire. Ici sur le cercle chromatique, il est où mon cercle chromatique? Je l'ai toujours avec moi. Donc c'était ici le orange avec le bleu. J'aurais pu utiliser plein d'autres bleus. Moi j'ai décidé de prendre le bleu outre-mer. Et donc, le orange désaturé, le bleu désaturé, et c'est ceux que j'utilise ici. On a simplement deux couleurs. D'accord? Eh bien, je voulais choisir vos couleurs. Je vous dis donc à très vite sur ma chaîne Couleur Aquarelle pour la suite de cette vidéo. Ceux-ci seront rangés dans la playlist des capsules. À très bientôt!